بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد فالله تبارك وتعالى جدا القرآن أنغي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان c'est-à-dire entraidez-vous pour l'œuvre de bien et l'obéissance à Allah. Entraidez-vous pour la piété et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. Donc dans cette ayah honorée, Allah Ta'ala nous a ordonné de nous entraider dans le bien, d'entraider pour les bonnes œuvres et nous a interdit de nous entraider pour les péchés. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Et la taqwa, comme les savants l'ont défini, c'est accomplir les obligations et éviter les interdits. Donc la piété en islam, c'est ada ul wajibat wa ijtinabu al muharramat, c'est-à-dire accomplir les obligations et éviter les interdits. Parce qu'en islam, on ne se suffit pas de l'image des actes. D'accord, l'islam, c'est une science qu'il faut apprendre. Et les actes, il faut qu'ils soient conformes à ce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné. Et donc l'intention à elle seule, l'apparence à elle seule, ce n'est pas suffisant sans la science. C'est rapporté dans le sourire de Muslim que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Inna Allah la yuhasibukum ala ajasadikum wa la ala suwarikum wa innama yuhasibukum ala qulubikum wa armalikum » Ou comme l'a dit, alayhi wa sallam, ça veut dire « Certes, Dieu ne vous juge pas en fonction de vos apparences et ne vous juge pas en fonction de vos corps, mais Dieu vous jugera en fonction de vos cœurs et en fonction de vos actes. » Donc c'est pour ça que le prophète Mohammed alayhi salam, il nous a ordonné d'apprendre la science de la religion pour que nos actes soient conformes à ce que Dieu a révélé et à ce que le prophète alayhi salam, il a enseigné. Allahu tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Hudan linnas, ça veut dire que le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel le Coran a été descendu, d'accord? Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Et que c'est hudan linnas, une bonne guidée pour les gens. Et dans le Coran honoré, Dieu l'a dit inna anzalnahu fi laylatil qadr. Donc dans sourate Al-Qadr, Dieu l'a dit, certes, nous l'avons fait descendre dans la nuit de Al-Qadr. La nuit de Al-Qadr, c'est la meilleure nuit de l'année, tout comme le jour du vendredi est le meilleur jour de la semaine, et tout comme le mois de Ramadan est le meilleur mois de l'année. Et là, on a jeûné, alhamdoulilah, la majeure partie du mois de Ramadan, et on est le 27 aujourd'hui de Ramadan, et il reste quelques jours avant la fin du mois. Et on est dans les nuits que Dieu il a dit, « Walayalin rachar », c'est-à-dire que Dieu il a fait l'éloge des 10 dernières nuits de Ramadan, et ces 10 dernières nuits, c'est là où la plupart du temps a lieu la nuit de Al-Qadr, et la nuit dans laquelle le Coran a été descendu. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا. Ça veut dire que dans la nuit d'Al-Qadr, les anges y descendent, ainsi que Jibril, qui est le chef des anges, qu'on avait vu dans le cours précédent. Et les anges sont tous des corps qui sont créés à partir de lumière. Habituellement, on ne voit pas les anges. Mais c'est possible que l'ange y prenne l'apparence d'un être humain, mais il prend l'apparence que d'un homme. D'un homme sans sexe, parce que les anges ils n'ont pas de sexe. Et Dieu les a créés, et ce sont des anges honorés, ils sont tous des saints de Allah et ils ne mangent pas et ne boivent pas. Donc ils ne font pas le jeûne de Ramadan. Mais les anges, ils prient comme nous, on prie également. D'accord? Les anges, ils sont responsables.
et ils ont des obligations à accomplir. Mais Dieu a fait que les anges ils choisissent toujours de faire le bien. Ils ne font jamais le mal. Et leur nombre est très très grand. Personne ne connaît le nombre des anges, ce n'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Jibril, alayhi salam, qui est cité par cette ayah al-Ruh, d'accord, l'âme honorée, qui est Jibril, c'est le chef de tous les anges et le meilleur des anges. Il est rapporté du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit « إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرِيلُ فِي كَبْكَبَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّونَ وَيُسَلِّمُونَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ أو قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ فَيَنْزِلُونَ مِنْ لَدُنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ » Donc c'est rapporté du prophète alayhi salam qu'il a dit lorsque vient la nuit de Al-Qadr, Jibril alayhi salam descend avec un groupe d'anges. Ils invoquent et ils passent le salam pour toute personne qui est en train de faire la prière durant cette nuit-là ou qui est assis en train d'évoquer Allah Azza wa Jal. Et donc les anges descendent depuis le moment du Maghreb jusqu'au lever de l'aube. C'est-à-dire que cette nuit-là, il y a Al-Qadr qui peut être n'importe quelle nuit de Ramadan et que Dieu il a dissimulé aux gens pour que les gens pendant tout Ramadan ils fassent des actes d'adoration. Bah, durant cette nuit-là, les anges ils descendent et l'ange Jibril aussi il descend. Il passe le salam aux gens qui font l'adoration et ils font une invocation pour eux. Même si les gens, peut-être qu'ils ne les voient pas, ils n'entendent pas. Mais ils bénéficient des barakas de cette nuit-là. Et également, c'est durant cette nuit-là que par ordre de Allah a fait savoir aux anges certaines choses qui vont se passer durant l'année jusqu'à la nuit de l'Qadr suivante. Donc il n'y a que Dieu qui connaît tout ce qui est caché. Encore Allah Ta'ala, il a dit « قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ » C'est-à-dire, dit « Personne ne connaît tout ce qui est caché, tout ce qui est le ghaïb, si ce n'est Allah Ta'ala. » Ni des gens dans les cieux, ni des gens sur terre, ils savent tout ce qui est caché, si ce n'est Allah Ta'ala. Et Dieu a créé les cieux, et Dieu a créé la terre, donc Dieu n'est ni sur terre, ni au ciel. D'accord, Allah Ta'ala. Comme il dit dans le Coran, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Celui qui ne veut pas croire en Dieu, bah Dieu n'a pas besoin de ses créatures. Donc ça, la croyance de l'islam, c'est que Dieu, comme ils ont dit les savants du Salaf, خَلِقُونَ بِلَحَاجَ. Comme il a dit à Tohawi, qui était parmi les savants du Salaf, les trois premiers siècles de l'Égypte, il a dit Dieu, il crée sans avoir besoin. Donc Dieu l'a créé les cieux, mais ce n'est pas parce qu'il a besoin du ciel. Et Dieu l'a créé la terre, et ce n'est pas parce qu'il a besoin de la terre. Et Dieu l'a créé les humains et les djinns et les anges. Pas parce que Dieu, il aurait besoin de nous. D'accord ? Nous, si on fait le jeûne de Ramadan, si on fait la prière, c'est pour nous-mêmes, c'est pour les récompenses dans l'au-delà et pour qu'on soit préservé du châtiment. Quant à Allah, tabaraka wa ta'ala, il n'a pas besoin de ses créatures. Il existait avant toutes les créatures, sans avoir besoin de rien. Et après avoir créé les créatures, il n'a toujours pas besoin des créatures. Donc Allah ta'ala existait avant le ciel, avant la terre, avant les anges, avant l'être humain. Il existait avant toute chose. C'est pour ça que Dieu, dans le Coran, il a dit « Huwa al-awwal ». D'accord, Dieu est l'awwal, ça veut dire que Dieu existait avant toute chose. Wal-akhir, ça veut dire que Dieu n'a pas de fin et qu'il ne s'anéantit pas. Donc la croyance de l'islam, c'est que Dieu existait avant toute chose, avant la direction, avant les endroits. Et comme ils ont dit savants du salaf, la tahwih il jihatu siksu kasa il muqtadarat. C'est-à-dire Dieu n'est pas compris dans les directions, contrairement aux créatures. Donc on ne dit pas Dieu est au ciel, ou Dieu est sur terre, ou Dieu est partout. Ça, c'est pas la croyance de l'islam. Les juifs et les chrétiens, ils se sont égarés. Dans le Coran, Dieu a dit qu'ils iront en enfer. D'accord ? Allah Ta'ala a dit dans cette al-Bayyina, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. Ça veut dire, certes, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, les juifs et les chrétiens, et les mouchriquines, ils seront au fond de l'enfer, éternellement, à tout jamais, et c'est le pire de la création. Donc par cette ayah, Dieu nous fait savoir que les chrétiens et les juifs, ils iront en enfer. Or, qu'est-ce qui les mèneront en enfer ? Ils n'ont pas cru en Allah, parce qu'ils ont adoré quelque chose qu'ils ont imaginé être dans le ciel. Et donc ça, ce n'est pas la croyance de l'islam, c'est la croyance des gens du livre. Et Dieu, dans le Coran, il a déclaré non-musulmans les gens du livre. D'accord ? Donc l'islam, ce n'est pas la croyance des juifs et des chrétiens. Dieu existait avant le ciel, et avant que Dieu crée le ciel, il n'y avait pas de ciel. Et après que Dieu ait créé le ciel, Dieu ne change pas, il n'est toujours pas dans le ciel. Dieu n'est ni dans le monde, ni extérieur du monde. On ne peut pas imaginer Allah. D'accord ? Wa anna ila rabbika al-muntaha. Dieu l'a dit que l'imagination des gens, elle n'est pas capable d'atteindre la réalité de Allah. Et également, il a dit wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et Dieu n'a aucun équivalent. Et également, il a dit fala tadribu lillahi al-amsal. D'accord ? On n'est pas des ressemblants à Dieu. Donc, il y a beaucoup de ayats dans le Coran
qui montre cette croyance-là de vérité que tous les prophètes ils ont amené, parce que tous les prophètes sont venus avec l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate al-Anbiya a dit « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ » Dans sourate al-Anbiya, Dieu l'a dit « On n'a pas envoyé avant toi Muhammad de messagers sans qu'on leur révélait à chacun d'entre eux أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ » qu'il n'y a pas autre Dieu que moi, alors adorez-moi. C'est-à-dire tous les prophètes, ils ont reçu la révélation de l'islam, et tous les prophètes, ils ont appelé les gens à l'islam. Tous les prophètes étaient musulmans. Donc on n'a pas le droit de croire que Jésus aurait été chrétien, ou Moïse, il aurait été juif. Tous les prophètes sont venus avec l'islam. Mais les juifs et les chrétiens, les gens du livre, c'est des gens qui, à la base, étaient musulmans, qui suivaient la vraie Torah et le vrai évangile, et après, ils se sont égarés, et ils ont inventé une nouvelle religion, qu'ils ont déviée de l'islam, et qu'on appelle aujourd'hui le christianisme et le judaïsme. D'accord ? Mais l'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Donc Dieu il a dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. Donc dans la suite de la ayah, Dieu il a dit et ils ont dit que Dieu a eu des enfants, parce qu'à l'époque du prophète les mouchriquins, les idolâtres, ils pensaient que les anges, c'était les filles de Dieu. Ils pensaient que Dieu, soi-disant, se serait marié avec les reines des djinns et qu'ils auraient des enfants qui sont les anges. Et ça, c'est une écrance explicite parce que Dieu n'est pas un corps, il n'est pas un volume, il n'est pas concerné par le mariage. D'accord, il n'a pas de femme ni d'enfant. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, comme ça rapporté dans le Coran. Donc Dieu, il a répliqué à ces gens-là. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada subhana. À dire subhanallah, c'est-à-dire que Dieu est exempt des défauts, Dieu n'a aucun défaut, Dieu n'est pas comme ses créatures. Bal ribad ou mukramoun, mais ce sont plutôt des esclaves honorés. C'est-à-dire que les anges ne sont pas les enfants de Allah, parce que Dieu n'a pas d'enfants, ni de père, ni de mère, ni de frère, ni de sœur. Mais les anges, ce sont des créatures honorées par Allah. Bal ribad ou mukramoun. D'accord ? Et donc tous les anges sont musulmans, et tous les anges sont des saints de Allah. Donc dans cette nuit-là bénite de Tel Qadr, les anges y descendent en grand nombre. D'accord, du ciel, et ils invoquent pour les musulmans qui font des bonnes actions jusqu'à le lever de l'aube, jusqu'à le lever de l'aube. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith sahih rapporté par Al-Bukhari, « كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. » Dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari, qui est sahih, le prophète, il a dit « كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ » Ça veut dire « Dieu était et rien d'autre que lui n'était ». Ça veut dire que Dieu, il existe depuis toujours et il n'y a rien avec Dieu qui existe depuis toujours. Dieu, il existait avant toutes les créatures, avant la lumière, avant l'obscurité. Donc Dieu n'est pas une lumière et Dieu n'est pas une obscurité. Allah Ta'ala a dit dans le Coran « Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur » C'est-à-dire « Louange est à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre » et qui a créé la lumière et l'obscurité. Donc Dieu n'est ni au ciel ni sur terre et ne ressemble ni à la lumière ni à l'obscurité. Quant à la parole de Allah dans le Coran, Allahu nur as-samawati wal-ard, ça ne veut pas dire que Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Parce que le mot nur en arabe, il est dans le sens le créateur de la lumière. Et donc quand on dit nur pour Allah, ça veut dire qu'il est le créateur de la bonne guidée, donc il est al-hadi, comme il a dit Ibn Abbas, le cousin du prophète. Que ici, nur, ça veut dire hadi, et ça veut dire aussi munir, d'accord, celui qui a éclairé les cieux et la terre par la lumière des astres, du soleil et de la lune. D'accord ? Donc le prophète, qu'est-ce qu'il nous a dit dans ce hadith ? كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ. Dieu était de toute éternité, il existe depuis toujours, et rien d'autre que lui n'existe depuis toujours. C'est-à-dire que Dieu existait avant le trône. Donc avant que Dieu ait créé le trône, Dieu n'était pas sur le trône. Et après qu'elle a créé le trône, Dieu ne change pas, elle n'a toujours pas besoin du trône. Et ensuite le prophète, il a dit وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Et son trône était sur l'eau. Ça veut dire que l'eau, elle existait avant le trône. D'accord ? Dieu l'a dit, « وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ » D'accord ? Dans le Coran, Dieu l'a dit qu'il a créé toute chose vivante à partir de l'eau. Et le prophète Mohammed, il a dit, « أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءِ » C'est-à-dire, la première chose que Dieu a créée, c'est l'eau. Donc l'eau, c'est la première des créatures. Et après que Dieu ait créé l'eau, Dieu l'a créé le trône. Donc Dieu existait avant l'eau et avant le trône. وَكَتَبَ فِي ذِكْرِ كُلَّ شَيْءٍ. Ça veut dire que Dieu l'a fait inscrire dans la table préservée tout ce qui va se passer dans le bas monde.
Et quand la table préservée, c'est une grande plaque immense qui est en dessous du trône dans lequel Dieu l'a fait inscrire tout ce qui va se passer dans le bas monde, qu'on appelle en arabe Al-Lawh Al-Mahfouz. Puis il a dit Thumma khalaqa as-samawati wal-ard, puis Dieu a créé les cieux et la terre. Et au jour dernier, c'est rapporté que la terre elle va être cassée, cette terre-là sur laquelle on est, et également les cieux ils vont être cassés. Dieu l'a dit Yawma natwi as-samaa'a katwi sijilli lil-kutub. Tout ça c'est dans le Coran. Yawma natwi as-samaa'a katwi sijilli lil-kutub, c'est-à-dire le jour où on va refermer le ciel, casser le ciel, tout comme la page d'un livre, elle est repliée. C'est-à-dire qu'au jour dernier, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il va ordonner aux anges de se mettre en bordure des cieux, ala al-ja'iha, comme c'est marqué dans le Coran, et Dieu, par sa toute puissance, il va faire que les cieux vont être cassés et ils vont être mis au paradis. Que les cieux vont être cassés et vont être mis au paradis. Donc, ça, c'est une preuve également que Dieu n'est pas au ciel, d'accord ? Parce que si Dieu était au ciel, il ne va pas se casser lui-même dans les cieux. Donc c'est important de comprendre que la croyance des musulmans, c'est que Dieu, ce n'est pas un volume. On ne dit pas Dieu, il a une hauteur, une forme, une couleur, une longueur, une largeur, ou alors qu'il serait quelque chose d'étendu à l'infini. Tout ça, ce n'est pas Dieu. D'accord ? Parce que tout ce qui a une quantité, qui a une dimension, c'est créé. D'accord ? A besoin de qui il a donné cette dimension-là ? Et Dieu n'a besoin de rien, donc il n'a pas de dimension, il n'est pas créé. Mais quand on dit Allahu Akbar, tout le monde dit Allahu Akbar dans la prière, ça veut dire Dieu est le plus grand par le mérite. Ça veut dire que Dieu, c'est un corps immense, qui serait très grand, d'accord ? En français, on dit par exemple les grands hommes ou des gens qui sont grands par le mérite. Donc quand on dit Allahu Akbar, ça veut dire que Dieu est plus savant que tout savant, qu'il est plus puissant que toute personne qui est puissante. D'accord ? Et Dieu l'a dit, wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Au-dessus de tout savant, il y a quelqu'un qui est plus savant. C'est-à-dire que c'est Allah. Allah, il connaît plus que tout autre. D'accord ? Donc c'est important de comprendre qu'on ne dit pas que Dieu il est en haut dans le sens de la direction. Mais les textes sont apportés pour dire que Dieu il est élevé, c'est-à-dire par le mérite. On dit Allahu Ta'ala. D'accord ? C'est-à-dire que Dieu il est élevé par le mérite. Wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadihi, dans le Coran, Dieu l'a dit qu'il est le tout-puissant au-dessus de ses esclaves. C'est-à-dire que Dieu il domine ses esclaves par la toute-puissance. Et ça ne veut pas dire que Dieu serait dans une direction en haut, en bas, ou sur terre, ou autre part dans un endroit. Donc la première des créatures que Dieu a créées, c'est l'eau. Ensuite le trône. Ensuite Al-Qalam Al-A'la, d'accord, la chose qui a écrit sur la table préservée. Et ensuite la table préservée, Al-Lawh Al-Mahfouz. Et ensuite l'écriture, la table préservée, de ce qui a lieu jusqu'au jour dernier. Et donc ça, c'était avant que Dieu ait créé les cieux et la terre de 50 000 années. Tout ce qu'on a cité là, ça a été créé 50 000 ans avant les cieux et la terre. D'accord ? Donc ça prouve que Dieu également existait avant le ciel et avant la terre. Et certes, le plus savant des compagnons, qui était l'imam Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, qui était le premier enfant qui est entré en islam à l'époque du prophète Mohammed, premier enfant, c'est Ali, qui est entré en islam à l'époque du prophète. Avant le prophète, il y avait l'islam, comme on a dit. Mais entre Jésus et Mohammed, il y a eu une période de 600 ans. Et il y a eu 400 ans, entre les deux, il n'y avait plus d'islam sur terre. D'accord ? Le prophète Isa alayhi salam, il a reçu la révélation, le prophète Jésus. Il a reçu la révélation à 30 ans. Et à 33 ans, Dieu l'a élevé au ciel. Et après que Isa soit parti, les musulmans ils sont restés 200 ans. Et après, les chrétiens ont commencé à persécuter les musulmans, ils s'étaient égarés, etc. Et donc après, il est resté que les chétiens. Et donc pendant 400 ans, il n'y avait plus d'islam sur terre. Entièrement disparu. Et donc le prophète Mohammed alayhi salam, il a été envoyé pour renouveler l'appel à l'islam. Mais sinon, depuis Adam alayhi salam, le premier des êtres humains, jusqu'à aujourd'hui, tous les prophètes étaient musulmans. Et au début de l'humanité, tous les êtres humains étaient musulmans. Dieu dans le Coran, il a dit « Kana an-nasu ummatan wahida » C'est-à-dire les gens étaient une seule communauté. Et le compagnon du prophète, le cousin du prophète, qui connaît le mieux, ou parmi le mieux, l'interprétation du Coran, Abdullah ibn Abbas, il a dit, ça veut dire que tous les êtres humains, à la base, étaient musulmans. Puis Dieu a envoyé les prophètes pour avertir les non-musulmans d'un châtiment et promettre aux musulmans le paradis. Ça veut dire qu'après l'époque de Idris alayhi salam, à l'époque du prophète Nour, ça a été le premier prophète envoyé à un peuple de non-musulmans. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la première jahiliya qui a duré 1000 ans. Depuis Idris jusqu'à Nour, il y a eu 1000 ans, il n'y a plus d'islam sur terre. Et c'est le prophète Nour alayhi salam qui a recommencé à appeler les gens à l'islam. Et après, ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Et donc, avant le prophète Mohammed, il y a une période de 400 ans où il n'y avait plus d'islam sur terre également. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'imaginent que l'islam, soi-disant, serait apparu à la fin. Que soi-disant, c'est la dernière religion qui est apparue. Ça, c'est faux. L'islam, c'est la première religion qu'il y avait sur terre. La religion de tous les prophètes. Dieu l'a dit, « La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. » On ne fait aucune distinction entre les prophètes. Et le prophète Mohammed, il a dit, « Al-anbiya'u ikhwatun li'allat, dinuhum wahid wa ummahatuhum shatta. »
Ça veut dire les prophètes sont comme des demi-frères. Ils ont la même religion, mais après leurs lois elles divergent. C'est-à-dire que les prophètes, ce qui les différencie, c'est qu'ils n'ont pas tout le temps les mêmes lois, le même nombre de prières à faire ou le même mois à jeûner, etc. Mais au niveau de la croyance, le prophète il a dit dînuhum wahid, leur religion c'est la même. Donc tous les prophètes sont venus avec l'islam. Donc on ne dit pas que Jésus était chrétien ou que Moïse était juif ou que l'islam soi-disant c'est la troisième religion révélée. Il n'y a qu'une seule religion révélée, c'est l'islam. Toutes les autres religions, elles sont des choses inventées par les êtres humains. Soit c'est des déviances de l'islam, c'est-à-dire qu'à la base c'était l'islam, mais après ils ont inventé autre chose, comme ils ont fait les juifs et les chrétiens. Ou alors c'est des choses totalement inventées, comme ceux qui adorent les idoles, ou le soleil, la lune, etc. D'accord ? Donc à la base, la religion de vérité, c'est l'islam. Dieu l'a dit, « Inna dina indallah l'islam ». Certes, la religion que Dieu agrée, c'est l'islam. Et également, il a dit, « Wa man yabtari ghayra l'islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin ». Dans le Coran, tout ça, Dieu l'a dit, « Celui qui choisit une autre religion que l'islam, ça ne sera pas accepté de lui, et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. » Nous, on remercie Allah Ta'ala qu'il a fait qu'on soit musulman, qu'on soit de la meilleure des communautés, qui est la communauté du prophète Mohammed, parce que lui, dans le Coran, il a dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas », vous êtes la meilleure des communautés qui est émergée parmi les gens, parce qu'un prophète, c'est le meilleur des prophètes, et qu'on jeûne le mois de Ramadan, d'accord ? Dieu, il a dit « Ya ayyuhal lazina amanu » كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. C'est-à-dire, ô vous les gens qui avez cru, ô vous les musulmans, il vous a été rendu obligatoire le jeûne, tout comme il avait été rendu obligatoire sur les communautés qui vous ont précédé. Donc ça, c'est notre preuve encore que les autres communautés étaient musulmans et qui jeûnaient aussi, mais je n'ai pas Ramadan. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, puissiez-vous être pieux. C'est-à-dire que le jeûne, c'est une aide pour éviter les péchés. D'accord ? Parce que tu manges pas, tu as moins de tentation, etc. Ou alors puissiez-vous être pieux en accomplissant cette obligation imminente. Donc l'imam Ali ibn Abi Talib, que le premier enfant qui est entré en islam à l'époque du prophète, il a dit « Inna Allah khalaqa al-arsha izharan li kudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dhati ». Ça c'est la parole des gens du salaf. Il n'y a pas plus salaf que l'imam Ali, qui était le premier enfant qui est entré en islam. La première femme c'était Khadam Khadija. Et le premier homme, c'était Abu Bakr al-Siddiq qui est rentré en islam à l'époque du prophète Mohammed. Ça, c'est les tout premiers compagnons qu'on appelle les Muhajiroun, d'accord, As-Sabiqoun al-Awwaloun. Et Dieu l'a dit à leur sujet, radiyallahu anhum wa radu an, c'est-à-dire qu'ils sont agréés par Allah. Donc la vraie croyance des gens du Salaf, c'est que Dieu, comme a dit Imam Ali, il n'a pas créé le trône pour le prendre comme endroit pour lui-même, mais il a créé le trône pour montrer sa toute-puissance, d'accord. Parce que le trône, c'est la plus grande créature que Dieu a créée au niveau de la taille, et c'est aussi le toit du paradis. Encore le prophète Mohammed, il a dit « إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهُ الْجَنَّةِ إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةِ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى فَإِنَّهُ أَوْسَطَ الْجَنَّةِ وَأَعْلَاهَا وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ. » Ça veut dire, si vous demandez à Allah le paradis, alors demandez à الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى, les hauts degrés du paradis, les hauteurs du paradis. Parce que le paradis, il y a plusieurs degrés au paradis. Ceux qui habitent en bordure du paradis, ils ont un degré moindre que ceux qui habitent au milieu du paradis. Et ceux qui habitent en hauteur du paradis, ils ont un degré supérieur à ceux qui sont au milieu. Donc les hauteurs du paradis, on l'appelle Al-Firdaws al-A'la. Al-Firdaws al-A'la. Et donc le prophète, il a dit, si vous demandez à Dieu le paradis, alors demandez Al-Firdaws al-A'la. Car certes, il s'agit du milieu du paradis et les hauteurs du paradis. Et au-dessus de cet endroit-là, il y a le trône de Allah, Arshur Rahman, qui est le trône que Dieu a créé. D'accord ? Arshur Rahman. Donc, l'équivalent du ciel pour les gens du paradis, c'est le trône que Allah, tabaraka wa ta'ala, il a fait au-dessus du paradis, qui est très très grand, d'accord, et qui est la plus grande créature que Dieu a créée. Et parmi les choses qui nous font acquérir le milieu du paradis, les hauteurs du paradis, eh bien, il y a ce que le prophète, il a mentionné. Il a dit, Iyakum wal fulqa. C'est-à-dire, alaykum bil jamara wa iyakum wal fulqa, fa inna shaytana maral wahid, wa huwa min al ifnaini abrad. فَمَنْ أَرَادَ بُخْبُخَةَ الْجَنَّةِ فَيَجْزَمِ الْجَمَارَةِ. Dans ce hadith sahih, le prophète Aïssam, il a dit, prenez à vous de suivre la majorité des musulmans. C'est-à-dire que, en islam, tous les gens qui se prétendent musulmans, la grande majorité, ils sont sur la vérité. Ils ne sont pas égarés. Parce qu'il y a des gens qui se réclament de l'islam, mais ils sont égarés dans la croyance. Le prophète l'a dit que sa communauté, c'est-à-dire que Ummati, il a salas au sabarin afirqa, que sa communauté, elle va se diviser en 73 groupes. Tous ils iront en enfer, illa wahida, sauf un groupe, wahiya al-jamara. Et c'est le groupe de la majorité. Donc le prophète, dans ce hadith, il a fait savoir que
jamais Dieu égarera la majorité des musulmans. C'est-à-dire que le grand groupe de musulmans, la majorité de ce que disent les gens qui se réclament de l'islam, c'est la vérité. Même s'il y a des groupes comme ça, isolés, qui disent des choses contraires à ce qu'on enseigne aux Comores, ou au Maroc, ou en Algérie. Mais si tu fais tout le tour des pays musulmans, tu as trouvé que la plupart des gens qui se réclament de l'islam, ils disent que Dieu ne peut pas l'imaginer, qu'il n'est pas au ciel, qu'il ne ressemble pas, etc. Ça, tous les musulmans, ils le croient. Et après, il y a des gens qui se réclament de l'islam, mais qui ne sont pas musulmans, qui vont te dire la même croyance que les juifs et les chrétiens. Que Dieu est au ciel, que Dieu est assis, que Dieu a des mains, etc. Mais ça, c'est une minorité. Et le prophète nous a dit de ne pas suivre la minorité, mais de suivre la majorité. Il a dit « Alaykum bil jamar » à vous de suivre la majorité, al jamar. Wa iyyakum wal furqa » et prenez garde de vous diviser les uns les autres. « Fa inna shaytan amara al wahid » car certes, le diable, il est avec la personne quand elle est toute seule. C'est-à-dire que si le musulman, il se met à l'écart du groupe, qu'il se met tout seul, c'est plus facile pour le shaytan de l'égarer, parce qu'il est tout seul. « Wa huwa min al ifnaini abrad » mais si les musulmans ils sont deux, le shaitan est déjà plus loin. C'est-à-dire que quand les musulmans sont au groupe, comme on a fait aujourd'hui, eh ben c'est encore plus difficile pour le diable, pour le shaitan, de nous égarer. Et après, le prophète l'a dit, « Faman arad burbuhat al-jannah, fayal jamil jamar » ça veut dire, « Celui qui veut la meilleure place au paradis, alors qu'il reste avec la majorité. » Il reste avec ce que croient et disent la majorité des gens qui se réclament de l'islam. Et c'est pas il va dans un petit groupe isolé qui disent des choses qu'on n'a jamais entendues, ou des choses qui n'est pas conforme à la croyance de l'islam. D'accord? Tout ce qu'on a cité au début du cours, tout ce qu'on a dit, c'est marqué dans le Coran. D'accord? Donc, combien que les musulmans, ils sachent c'est quoi ce qui est rapporté dans le Coran et que c'est rapporté que Dieu ne ressemble pas à ce qu'il a créé. La ayah la plus évidente dans le Coran que Dieu ressemble à rien du tout, c'est sa parole Ta'ala dans Sourate Ash-Shura, ayah numéro 11. Laïsa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. À dire, il n'y a pas une chose qui est comme Dieu et Dieu, il entend tout et il voit tout. D'accord? Ça, c'est la croyance de l'islam. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il n'est pas concerné par les directions, ni par la place, ni par le mouvement, ni par l'immobilité. Parce que le mouvement, c'est quoi? C'est un corps qui bouge d'un endroit à un autre. Et l'immobilité, c'est un corps qui reste au même endroit. Donc ce qui est mobile est forcément un corps ou un volume, et ce qui est en mouvement est forcément un corps et un volume, et les deux sont forcément dans un endroit. Or, celui qui a créé les corps et les volumes, c'est Allah. Celui qui a créé les endroits, c'est Allah. Ce que Dieu l'a dit, قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ. Il dit, Allah a créé toutes choses. Parmi les choses, il y a les corps, les volumes, etc. Donc Allah Ta'ala, il est al-bari ou al-musawwir, c'est-à-dire celui qui a créé les choses, et al-musawwir, ça veut dire celui qui a créé les formes et les images. Donc celui qui a créé les formes et les images, eh ben, il n'a pas de forme ni d'image. Donc c'est pour ça que les savants de l'islam, ils ont dit « Mahma tasawwalta bi-dhalik, fallahu la yushbihu dhalik ». C'est-à-dire, qu'est-ce que tu imagines dans ton cœur? Eh ben, ce n'est pas Dieu. D'accord? Donc l'ange Gabriel, c'est le meilleur des anges, et il descend la nuit de l'Aït al-Qadr. Et le prophète Muhammad alayhi salam, il a vu Jibril alayhi salam sa véritable apparence. Et donc, quand Jibril est apparu auprès de Muhammad alayhi salam, il a rempli la distance entre l'Orient et l'Occident, tellement il est grand Jibril de taille. Et le prophète s'est évanoui. Et il a dit, Ya Jibril, ma kuntu azunnu anna Allah khalaqa khalqan mislaka. C'est-à-dire, oh Allah, oh Jibril, je ne pensais pas que Dieu il a créé une créature de ta taille à toi. D'accord? Et Jibril alayhi salam, il a 600 ailes, d'accord? Les anges, ils ont 2 ailes, ou 4 ailes, ou 8 ailes, ça dépend les anges. Et l'ange Jibril alayhi salam, il a 600 ailes. Il avait déployé que 2 de ses ailes, et malgré ça, il a recouvert tout ce qu'il y a entre l'Orient et l'Occident. Donc le prophète alayhi salam, quand il a vu ça, il s'est évanoui, et après il s'est réveillé, d'accord? Et donc après, l'ange Jibril alayhi salam, il a repris forme humaine, et il a informé le prophète alayhi salam qu'il a déployé que 2 seules de ses ailes, et que malgré ça, elle a recouvert tout l'Orient et l'Occident, et que Israfil, qui est l'ange qui va souffler dans la trompe au jour dernier, qui est un ange énorme, et ben lui également, il a 600 ailes, et que chacune des ailes de Israfil, elle équivaut à la taille des 600 ailes de Jibril. Israfil, il est 600 fois plus grand que Jibril alayhi salam. Donc les anges, ils sont des créatures extraordinaires, qui sont immenses, sont les plus forts des créatures, et sont tous des saints. Et ils sont tous des musulmans. Et leur chef, c'est Jibril alayhi salam. Donc Jibril alayhi salam, c'est lui qui a enseigné les détails de la religion au prophète Mohammed alayhi salam. Et c'est lui également qui a annoncé la révélation de la prophétie à beaucoup de prophètes. Et donc parmi la révélation que Jibril alayhi salam, il a révélé au prophète Mohammed, on va terminer par cela, inshallah, il y a Surat Al-Qadr qui parle de cette nuit imminente dans laquelle le Coran a été révélé. Et qui est la meilleure nuit durant Ramadan et la meilleure nuit de l'année. Donc Allah, tabaraka wa ta'ala,
Il a dit, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. C'est-à-dire, certes, nous avons fait descendre le Coran durant la nuit de Al-Qadr. D'accord? Et donc, c'est Allah Ta'ala, comme il a rapporté Al-Bukhari, qui a fait descendre le Coran dans la nuit de Al-Qadr. Et Al-Hakim, dans le Mustadrak, il rapporte du compagnon Ibn Abbas, qu'il a dit, Unzil al-Qur'an jumlatan wahidatan ila sama'id dunya fi laylatil qadr thumma nazala ba'da zalika fi 20 sana. Donc Ibn Abbas a dit que le Coran a été descendu en une seule fois dans le premier ciel du bas monde et après sur 20 années Allah Ta'ala il a fait que le Coran il soit révélé petit à petit sur le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et le Coran a été descendu de la table préservée jusqu'au ciel du bas monde durant la nuit du 24 du mois de Ramadan. À cette époque-là, Laylatul Qadr, c'était le 24 de Ramadan. Et ensuite, l'ange Gabriel, Jibril, alayhi salam, il a révélé le Coran petit à petit sur 20 années. Et Laylatul Qadr en arabe a été nommé ainsi, car ça veut dire la nuit du mérite, la nuit qui a un grand mérite, son jugement de Allah, et qui est une nuit honorée. Puis Dieu l'a dit dans la deuxième ayat de cette sourate, « Wa ma adraka ma laylatul qadr » Et qui te fait savoir qu'est-ce que Laylatul Qadr? Ça veut dire que ça c'est pour montrer l'éminent cette nuit-là. Yani, qui t'a fait savoir, ô Mohammed, quelle est cette nuit-là? Et ça c'est pour glorifier le mérite de cette nuit-là et également pour qu'on se languisse de vivre cette nuit-là, Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. La nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Donc ce qui est visé ici de manière apparente, c'est 1000 mois au sens propre du terme, il y a vraiment le nombre de 1000. Et il s'agit de 83 ans, d'accord? Si tu additionnes 1000 mois, ça fait 83 ans environ. 83 ans est le tiers d'une année. Et donc si quelqu'un a fait des actes d'adoration durant cette nuit-là, et on espère que ce soit ce soir, mais ça peut être n'importe quelle nuit-là, il aura plus de récompenses que s'il faisait des adorations pendant 83 ans environ, mais sans que dans ces années-là, il y avait Laylatul Qadr. C'est-à-dire que cette nuit-là, elle est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire 1000 mois sans qu'il y ait Laylatul Qadr parmi eux. Ça veut dire que les œuvres d'adoration durant la nuit de Laylatul Qadr, ils sont plus récompensés que 1000 mois d'adoration, 83 années d'adoration, dans lesquelles il n'y aurait pas la nuit de Laylatul Qadr. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمَرٍ. Dans l'ayat numéro 4, Dieu l'a dit que les anges et l'âme honorée, Jibril alayhi salam, ils descendent durant cette nuit-là sur ordre de leur Seigneur avec certaines choses qu'ils ont su que ça allait se passer durant l'année. C'est-à-dire que les anges, ils descendent de l'ensemble des cieux, premier ciel, troisième ciel, etc. Tous les cieux, les anges, ils descendent sur terre. Et ce qui est visé par l'âme honorée, c'est l'ange Jibril alayhi salam, qui est le meilleur des anges. Et la parole de Allah, fiha, c'est-à-dire durant la nuit de Al-Qadr. Bi-idni rabbihim, ça veut dire sur ordre de leur Seigneur. Min kulli amr, c'est-à-dire selon tout ordre que Dieu a ordonné et ce qu'il a prédestiné, les anges y descendent avec des informations de ce qui va se passer durant l'année jusqu'à la nuit de Al-Qadr de l'année suivante. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ça veut dire que c'est une nuit qui est une paix et une quiétude jusqu'à le lever de l'aube. C'est-à-dire que cette nuit-là, c'est que du bien dedans. Il n'y a que du bien. Au point que tu ne trouves pas de mal durant cette nuit-là, mais tu trouves de la baraka. Et durant cette nuit-là, les diables et les démons, les charajis ne sont pas envoyés sur terre. D'accord? Donc c'est une nuit vraiment qui est bénie. Et on demande à Allah Ta'ala qui nous en fasse profiter. Et la parole de Allah Ta'ala, hatta matla'il al-fajr, c'est-à-dire jusqu'à que l'aube se lève, c'est-à-dire jusqu'à le moment où la prière du soubor, elle rentre. D'accord? Donc pour la telle qadar, les savants, ils ont divergé quand est-ce qu'elle a lieu. D'accord? Mais ils ont cité des signes qui indiquent que cette nuit-là, elle a eu lieu. Comme par exemple, à son petit matin, tu vois que le soleil, il se lève et il est tout blanc, sans, comme s'il n'avait pas de rayon. D'accord? Il est blanc. Et l'avis qui est sorti, c'est que la plupart du temps, elle a lieu dans les 10 derniers jours de Ramadan. Et ça, c'est l'avis de l'imam Malik ibn Anas, de l'imam Shafiri, également de l'imam Al-Awzari, c'est tous des savants mujtahid, et de Abi Sarr, Abu Thawr et de Ahmed ibn Hanbal. En raison de ce qu'Al-Bukhari il a rapporté du hadith ibn Abbas,
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Iltamisuha fil rashil awakhir min Ramadan, il dit recherchez cette nuit-là dans les 10 derniers jours de Ramadan. Et là on est le 27, d'accord, c'est vraiment la fin de Ramadan. Et les 10 derniers jours de Ramadan, Dieu l'a dit, walayalin rashar, c'est les 10 jours honorés dans lesquels souvent il y a cette nuit-là, Laylatul Qadr. Donc c'est, il convient que chacun d'entre nous il fasse beaucoup d'adoration et qu'il en profite également pour apprendre la religion et assister aux cours et faire des zikrs, la prière, etc. Et rester le Qur'an durant cette nuit-là. Et l'imam Ali ibn Abi Talib et Khudam Ra'isha, ainsi que Ubay ibn Ka'b, ils ont dit qu'il s'agissait de la nuit du 27. C'est pour ça qu'habituellement les musulmans disent que Tal Qadr c'est le 27 de Ramadan. Mais ça c'est la plupart du temps, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois c'est le 27 de Ramadan comme aujourd'hui. Et certains savants ils ont dit que Dieu l'a dissimulé la nuit de Tal Qadr dans tout le mois de Ramadan afin que la personne elle fasse preuve d'endurance et de persévérance dans les actes d'adoration et d'ardeur dans toutes les nuits de Ramadan. C'est pour cela que si quelqu'un il a vu Tal Qadr, la sunna c'est qu'il ne le dise pas aux gens. Comme ça les gens ils disent pas ah, bah, c'est passé donc du coup on fait moins d'adoration. Il le garde pour lui. Comme ça, pendant tout le mois, les gens, ils espèrent voir la nuit de Tal Qadr. Et des fois, les gens, ils croient qu'ils ont vu la Tal Qadr, mais en fait, ils ne l'ont pas vu. Il y a des gens, ils voient des lumières durant le Ramadan, mais durant le Ramadan, il y a les anges qui descendent. Des fois, il y a des lumières de Ramadan qui sont autres que la Tal Qadr. Et il y a des gens, si tu vois vraiment la Tal Qadr, c'est comme si chez toi, il fait nuit, et quand tu regardes dehors, tu as l'impression qu'il fait jour, tellement c'est lumineux. Alors que dans la maison, c'est sombre. Ça, c'est parmi les signes que tu as vu la Tal Qadr. Il y en a, ils voient aussi les anges qui se serrent la main ou qui descendent des cieux, il y en a, ils voient les anges qui se plient comme s'ils se prosternaient. Ça, c'est grand parmi les signes de Tal Qadr. Et donc, notre dame Ra'isha a demandé au prophète, si je vois Tal Qadr, qu'est-ce que j'invoque? Parce que les doigts sont exaucés la nuit de Tal Qadr. Et donc, le prophète, il a dit, Man adrakaha yaqul Allahumma innaka rafouun tuhibbul rafwa farfouranni. C'est-à-dire, oh Allah, tu agrées le pardon, alors pardonne-moi. Tu agrées le fait de pardonner, alors pardonne-moi. D'accord? Ça, c'est le secret de Tal Qadr. Donc, si quelqu'un, il n'a pas vu la Tal Qadr, mais il s'est adonné à des actes d'adoration durant cette nuit-là, même s'il ne l'a pas vu, il profite de la baraka de cette nuit-là. Il profite d'éminentes récompenses. Si quelqu'un, il la voit en rêve, c'est possible aussi. C'est un bien pour lui, mais c'est moins bénéfique pour lui que s'il l'a vu à l'état d'éveil. Mais dans tous les cas, Ramadan, c'est un mois béni, c'est le meilleur des mois. Et si quelqu'un, il a fait des actes d'adoration durant toute l'année de Ramadan, bah forcément, ça va coïncider un jour ou un autre à la nuit de Tal Qadr. Donc on demande à Allah Ta'ala qu'il nous fasse voir cette nuit-là, qu'il nous fasse qu'on soit parmi ceux qui apprennent la religion, qui maîtrisent ce qu'ils font en islam et qui restent sur la bonne croyance que jusqu'à la mort, Inch'Allah, au Tabaraka wa Ta'ala, et qu'il agrée nos jeûnes et nos actes d'adoration. Et sachez que tous les vendredis, il y a des cours ici et dans la semaine aussi. Donc s'il y a des gens qui veulent suivre des cours, sachez que le prophète, il a dit وَمَنْ يُلِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِهُ فِي الدِّينِ. Comme il a rapporté à Al-Bukhari, celui pour qui Dieu veut le bien et fasse qu'il apprenne la religion. Donc, si nous, on apprend la religion, si aujourd'hui Dieu nous a réunis aujourd'hui, c'est qu'il a voulu le bien pour nous. Et donc le musulman, plus il apprend la religion, plus il aime apprendre la religion, plus c'est une preuve qu'Inch'Allah, il sera parmi les gens du paradis. Et on termine par cette parole-là du prophète, alayhi salam, qui est rapportée par l'imam muslim, qui l'a dit, وَمَنْ سَلَكَ طَلِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا فَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَلِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. C'est-à-dire celui qui prend un chemin dans lequel il veut apprendre la religion, et eh ben Dieu, il lui facilite par ce chemin-là un chemin pour entrer au paradis. Wa majtama'a qawmun fi baytin buyutillahi yazkuruna kitaballahi wa yatadarasunahu fima baynahum illa nazat alayhim as-sakina wa hafathum ar-rahma wa ghashatuhum ar-rahma wa hafathum al-mala'ika wa dhakarahum Allah fi man 'indahu. Il n'y a pas un groupe de gens qui se rassemblent dans une mosquée ou tel que cela et qui révisent ensemble la science de la religion, le prophète l'a dit, le livre de Allah, et qui le révisent entre eux, sans que descende sur eux la quiétude, la sérénité, sans que la miséricorde les englobe de toutes parts, et sans que les anges ils invoquent en leur faveur, et sans qu'ils soient mentionnés en bien. Ça veut dire que ces gens-là qui se regroupent pour apprendre la religion, Dieu il fait descendre la baraka sur eux, les anges, et les bénédictions. Et après le prophète, il a dit, « وَمَنْ بَطَّهَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْلِغْ بِهِ نَسَبُهُ. C'est-à-dire, celui qui ne fait pas beaucoup d'œuvres pour son au-delà, eh ben, ce n'est pas son ascendance familiale qui va le faire accélérer. C'est-à-dire qu'en islam, ce qui compte, ce n'est pas que tu sois arabe ou pas arabe, ou que tu descends de tel prophète ou de tel savant, mais ce qui compte, c'est tes œuvres. D'accord ? Donc, on demande à Allah Ta'ala qu'il fasse que nos œuvres soient agréées, qu'on apprenne la religion et qu'on augmente nos connaissances, et qu'il nous accorde la piété. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ashrafil mursalin.
وحبيب رب العالمين. الله يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم احينا على السنة ومتنا عليها واحشرنا عليها واجعلنا من حراسها يا الله يا كريم. اللهم عافنا ومرضانا من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام. وأنبت أولادنا نباتا حسنا واجعلنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم توفنا وأنت راض عنا، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وزدنا علما، واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان، وارحم لشيخنا رحمة واسعة ووالديه ومشيخه، وآت كل منا سؤله من الخير، وتقبل منا أعمالنا الصالحة وصيامنا وتعلمنا يا الله يا كريم، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم آمين. بجاه سيد المرسلين وبسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.